lost there. I found the Star Destroyer. Alors bonjour à tous, c'est Pwish. On se retrouve aujourd'hui pour un jeu bien particulier. Alors est-ce qu'on peut appeler ça un jeu? C'est plus une espèce de démo. Donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour Star Wars Death Trooper. Alors un truc de fou. Un jeu d'horreur basé sur l'univers Star Wars fait par un mec voilà, tout seul dans son coin. Donc c'est Steven Games Studio. Donc c'est totalement gratuit, hein, je vous mettrai le lien, je vous mettrai le lien de sa page de jeux vidéo sur Itch.io. C'est vraiment du très très bon. Alors regardez-moi ça, on est dans un Star Destroyer, il s'est passé un truc de fou. Il y a des cadavres absolument partout, il y a une grosse ambiance, grosse ambiance à la Dead Space, hein, évidemment. Les graphismes sont plutôt très propres, franchement, en tout cas vous avez vu l'intro. Ben l'intro... elle donne le ton, il n'y a pas à chier, elle donne carrément envie, c'est assez incroyable. Alors le jeu en lui-même, vous allez voir, il est très succinct, mais on va tester comme ça dans cette vidéo plusieurs jeux faits par le sieur Steven Game Studio, et vous allez voir que ça fourmille de bonnes idées, quoi. C'est ça qui est fou, hein. T'as envie de dire, mais putain, les mecs, ils sont pas foutus en fait de sortir les doigts, quoi. C'est un truc de dingue quand tu vois ce que des mecs dans leur coin peuvent faire. Alors c'est clair que le gore outrancier, comme on peut le voir ici, ça dénote totalement avec l'esprit de l'univers Star Wars, qui est pas du tout un esprit dark ou quoi que ce soit. Encore que moi je trouve que ça colle bien, en fait, franchement, l'espèce de Dead Space avec le skin Star Wars, bah ça colle à peu près bien. Donc vous allez voir, ça va se résumer. Hein, on va devoir survivre, voilà, aux zombies. Alors là, évidemment, voilà, le premier zombie debout. On peut pas s'empêcher de penser forcément à Resident Evil. Hein. D'ailleurs, vous pouvez voir que la mise en scène est franchement excellente pour un mec qui a fait ça tout seul. Alors le sieur Steven, c'est un gars qui fait ça depuis des années apparemment. Hein. Depuis pas mal d'années. Hein. Et c'est beaucoup de petits jeux comme ça. Basé au final sur des franchises, alors la maniabilité est pas ouf, hein, sur des franchises de cinéma, donc ça fait plaisir. Alors, faut faire gaffe parce qu'on n'a pas, évidemment, on a une espèce de surchauffe. J'espère que je vais y arriver parce que les zombies arrivent un peu de tous les côtés.
Voilà, là ça surchauffe. Allez, 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 allez. Alors, bon. Et évidemment, ça passe à côté. C'est un peu... Voilà, il y a des zombies qui arrivent dans le dos. La caméra, comme vous pouvez le voir, a tendance à se coller contre les murs. Mais bon, c'est des menus défauts. C'est sûr, c'est des menus défauts. La souris aussi, là, entre viser à l'épaule et la souris en elle-même, c'est pas très réactif. Clairement, la visée, elle est daubée. Hein. La visée à moyenne portée, elle est assez daubée. Mais quand même. Il y a une ambiance, il y a quelque chose. Il faut prendre ça comme un prototype, un projet totalement amateur. Et alors, vous allez voir, il a fait un chapitre 2 qu'on va tester juste après. Alors, j'avais lancé uniquement ce jeu-là. Enfin, si on peut appeler ça un jeu, hein, parce que voilà, on doit survivre 5 minutes à une horde de stormtroopers zombies. Ils sont vraiment pas mal, hein. Il y a quelque chose. Hein. Alors là, on va pas trop se coller contre le mur, en fait. Parce que c'est un peu un piège, comme la caméra part en couille. Alors voilà, on a une surchauffe de notre flingue. Bah, en fait, voilà, ça pourrait être une démo présentée à l'E3 d'un nouveau projet Star Wars. On se dirait, putain, mais ça a l'air vraiment pas mal, ce truc. Ça a l'air vraiment sympathique. Voilà. Putain, là, il y en a un qui est coincé, non? Oh! Putain, je me suis fait niquer. J'ai voulu faire le malin. J'ai voulu faire le con, surtout. Oh, crève! Il y en avait un qui a popé d'un seul coup. Hein. Alors, je soupçonne, bien sûr, des petits bugs. Je pense qu'il y a des endroits... Alors, ils sortent des portes, en fait. De temps à autre, ils sortent des portes. Mais je pense aussi qu'ils popent... Ils popent aussi d'un seul coup, comme ça. Voilà, vous voyez, ils sortent des portes. Mais je pense aussi qu'ils arrivent... Putain, il y en a un autre. Ils arrivent aussi d'un seul coup. Ah putain, j'étais bien. Alors voilà, hein, parfois on est sur le mec et pourtant ça va taper à côté. Donc bon, ça c'est clair, c'est pas ouf. En termes de gameplay, on est au niveau zéro. C'est amusant en fait d'essayer pour voir la proposition, pour voir ce que pourrait être ce jeu finalement. Ah putain. Alors là, faut que je les élimine parce qu'ils commencent à en avoir beaucoup. C'est amusant, ouais, de voir une proposition différente sur Star Wars et qui est en plus... Alors, il développe sous Unreal Engine 5, apparemment. Hein, c'est ce qui a marqué sur la page Itch.io du bonhomme. Mais qui a de la gueule, qui est pas hideuse, quoi. C'est pas affreux. Au contraire, c'est pas mal. Et puis, il y a vraiment une bonne ambiance, quoi. On est plongé dans un truc d'horreur. Alors, ils sont tous coincés comme des cons. Moi, comme vous voyez, je tape tout à côté. Aïe, aïe, aïe. Attention. Aïe, aïe, aïe. Pas que je me fasse piéger. On va rester là. On va jouer la prudence. Donc, développer a priori ce Unreal... Ah! Oh, putain. Ouais, la visée, c'est pas ça. On se croirait revenu en arrière dans les vieux jeux PS1, PS2... T'as l'impression d'être sur lui, tu le touches pas, tu sais, les bugs de tir comme ça, les bugs de visée. Bon, il nous reste une minute. Normalement, on devrait y arriver, puis je vais vous montrer la cinématique de fin, qui est vraiment pas mal. Donc, un bon petit jeu. Et puis, voilà, j'avais testé celui-là, j'en ai téléchargé d'autres de sa page, notamment le chapitre 2 de cette incroyable histoire de zombies dans l'univers Star Wars. Mais par contre, je ne les ai pas joués. Je ne les ai pas lancés, je sais juste que le chapitre 2 se passe a priori, je crois, sur Endor. Donc ça aussi, c'est cool. Donc a priori, c'est une épidémie dans la galaxie, quoi, Star Wars. Donc on va essayer ça juste après, et puis on va essayer après aussi d'autres jeux. Alors la plupart de ces jeux, il a aussi des jeux originaux qui sont pas forcément inspirés directement d'un film, comme Halloween. Il a aussi fait un jeu, plusieurs jeux, même sur Terminator. Bon, on va réussir à survivre normalement. Ouais, il y a des bugs de collision de malade. Ah voilà, alors, je me tais.
Bon bah voilà. Ça a très très mal fini pour notre personnage. Ah, il y a de l'idée, hein. Bon, franchement, il y a de l'idée, c'est vraiment pas mal. Ça me fait penser un peu au Marvel Zombie, hein, en quelque sorte. Voilà, Stefano Cagnani. Donc, c'est le gars qui a fait ça. Bah, franchement, chapeau à lui. Bah, écoutez, ce qu'on va faire, on va tout de suite se retrouver pour le chapitre 2 de Star Wars Death Trooper. Franchement, la musique, la mise en scène, c'est vraiment du lourd, hein. Donc là, on est sur The Outpost, donc la deuxième partie, a priori, hein, de Star Wars Death Trooper. Donc là, on va jouer un autre Stormtrooper, a priori, hein, vous allez voir. J'avais juste regardé le début. Et on va se retrouver à... C'est clair que là, la lune d'Endor, on la voit d'une façon totalement différente. Hein. Et je trouve qu'au niveau de la musique, c'est excellent. Ça fait vraiment mes films d'horreur à 500%. Là, on a un TIE Fighter qui part en steak dans l'espace. Là, on s'est crashé, hein, je crois que c'est clair. Notre robot qui était censé nous aider, il est KO. Et donc on se retrouve, voilà, livré à nous-mêmes sur Endor. On va peut-être voir des petits Ewoks zombies, hein. Allez savoir, donc ça je ne sais pas. Donc, une fois encore, franchement, c'est...
Une fois encore, franchement, on peut courir, ok. Franchement, c'est carrément... Ah, donc en fait, il y a encore... L'étoile de la mort n'a pas encore explosé. Écoutez, franchement, quand vous regardez comme ça, la réalisation, bah, elle est plutôt, plutôt pas mal, hein, quand on pense quand même que c'est une seule personne qui a fait ça, franchement. Alors, je sais pas pourquoi il y a les espèces de barres en haut et en bas. Je sais pas si c'est un bug d'affichage, peut-être. Alors, courir, j'aurais dû peut-être mettre autrement le bouton. Ouais, parce que normalement, ça se joue au clavier pour pouvoir y jouer à la manette. La manette n'est pas configurée, en fait. Pour pouvoir jouer à la manette, j'ai... Alors, crunch, c'est où? Là, il donne un coup de pied, ok. Ouais. Alors, c'est contrôle. C'est contrôle. Normalement, c'était sur la manette, mais bon. Donc, on peut se baisser, voilà. C'est vraiment pas mal. Alors, ambiance pluie, ambiance de merde. Donc là, ça retrouve les pendus, les Stormtroopers pendus, comme ça. Petits effets de lumière, franchement. Là-bas, il y a un type. Alors, est-ce que ça va nous faire vraiment flipper? C'est ça la question. Là, on sent que l'ambiance a été encore plus travaillée. Hein. Alors, petit bug d'affichage. Bon, on pardonne les petits bugs, hein, forcément. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'on n'a pas d'armes. On peut que donner des vieux coups de pied, là. Il marche à pas de loup. Ah, les petits Ewoks. Oh là là, les Ewoks, ils ont pas l'air bien. Putain, mais eux aussi, ils sont bien faits. Ils sont bien modélisés, franchement. Trop fort. Ah, je m'attendais pas à ça. Trop fort. Le mec se suicide. Bon, a priori, la situation, elle pue un petit peu la merde. Moi, je pense qu'on est arrivé au bunker. Putain. Ah ouais, il s'est relevé, c'est devenu un zombie, du coup. Non? Oula, il court comme une pute. Là, il court un peu... Eh oui, c'est devenu un zombie. Ouah, il y en a d'autres. La musique est vraiment cool. Hein. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, cette fois-ci, on a notre barre de vie. Je pense qu'il faudrait rapidement qu'on trouve un flingue. Hein. Alors, comme dit, hein, c'est plus des expériences, on va dire, des mots qu'un véritable jeu vidéo, mais quand même. Ah, ben voilà, parfait. Ouais. Ah ouais, là, on a des munitions. Attention, là, il y a tout un... Ah merde, mais j'ai même pas vu. Ah merde, ah bah alors là, je crois qu'il faut que je joue... Là, il faut que je joue avec le clavier, merde. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Alors, il y a une espèce de mode ralenti. Bon. On va essayer de leur foutre un coup de pied. Non, ça marche pas du tout. Je vais crever. Putain, j'ai des flingues et je peux pas... Ah, voilà, voilà. Alors là, c'est maniabilité hybride, hein. Ouah! Ah, oh, putain! Voilà, visée. On va recharger. Alors, est-ce que je peux... Est-ce que je suis obligé de les buter ou est-ce que je peux me balader, en fait? Enfin, balader. Ah, ils font des drôles de bruit. On dirait un chat qui grogne. Ils font des drôles de bruit. Mais c'est pas... C'est... Franchement, je vous assure. Oh, putain, ils sont résistants. Hein. Ouah, je sais pas si... Les combattre, je suis pas sûr que c'est... Ah, on va ramasser. Plasma, vite, vite, vite. Il met du temps. Alors,
C'est plutôt pas mal, les animations. Donc là, c'est un peu différent du jeu d'avant. Hein. C'est-à-dire, le jeu d'avant, on était quand même sur... On était quand même sur quelque chose de très arcade, très rentre-dedans, bourrin. Bon, là, on est aussi... Forcément, on est aussi sur du bourrinage. Mais en fait, je sais pas s'il faut les buter. Ouais, d'accord. Si je fais comme ça, ça va pas aller. Je sais pas si en fait, il faut les buter ou s'il faut simplement s'enfuir. Il a pas un flingue, lui. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il avait un flingue dans la main. Vous savez quoi? On va les esquiver pour l'instant. On va se balader. On est a priori pas obligé de les tuer. Hein. Ça, c'est pas mal. Bon, et là, il y a des petits bugs. Voilà. Avec la terre qui est un petit peu mal faite. Bon, c'est pardonnable. Franchement, l'ambiance forêt, brume, zombie, survival, ben moi je trouve qu'elle fonctionne vraiment bien. Honnêtement, ça fonctionne vraiment très très bien. Alors là, il y a d'autres zombies. On va peut-être le buter celui-là. Putain, je sais pas. Ah putain, il leur faut pas mal de balles pour crever. Ah ouais, mais en fait, faut viser... Oh, il y en a un derrière moi. En fait, faut viser la tête. Il faut viser la... Alors là, j'ai une maniabilité hybride. C'est dommage que vous ne voyez pas. Oh, putain. Ah ouais, mais on peut transformer notre gun, en fait. J'ai une espèce de... Je sais pas ce que je fous. J'ai une maniabilité hybride, manette, clavier. C'est un peu n'importe quoi. Là, il y a encore des munitions. On va essayer de les prendre. On va essayer. Alors, on va essayer. Hein. Est-ce que je peux passer? Non. Ah! Putain. Bon, ils font des bruits à la con, quand même. Hein. Là, faut bien avouer qu'au niveau bruit... Alors, faut faire gaffe, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein. Au niveau bruitage, c'est pas ouf. Hein. Oh! Ah! Si on leur balance une balle directos dans la caboche, ils crèvent. Hein. Vous avez vu? Il est mort tout de suite. Donc, si je m'applique bien... Ouais, si je m'applique. Hein. Ah, putain, non. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 j'ai mal joué. Bon, il y avait un chargeur là-bas. Ah, il y a un chargeur. Non. Ah, c'est celui-là que je viens de jeter, je pense. Alors, attendez, on va essayer de choper. On va reprendre. Putain, il y en a encore un qui traîne là-bas. On va quand même prendre les balles, on sait jamais. Mais arrête. Alors là, il bougeait tout seul. Je voulais viser et il bougeait tout seul, ce con. Voilà, on va ramasser le chargeur. C'est vraiment très très bizarre du coup. Voilà. Ah, l'animation, elle est plus que correcte, elle est même carrément cool. Alors, voilà, on va les gruger. Hop. Alors, heureusement qu'on peut trottiner, parce que j'appelle pas ça courir. Heureusement qu'on peut trottiner autant qu'on veut. Le problème, c'est que j'ai mis courir sur le stick analogique, donc il faut rester appuyé, donc ça, c'est de la merde. Si j'avais vu qu'il fallait rester appuyé pour courir, je ne l'aurais pas fait. Bah écoutez, on va essayer, je pense qu'il faut aller ici. Hein. Ouais, voilà, on est arrivé. Bon, je suis pas certain qu'on va être en sécurité là-dedans. Hein. Pas 100% sûr. Je pense que ça va être plutôt la merde. En tout cas, il y a une localisation des dégâts. Alors, peut-être que dans l'autre aussi. Ouais. Quoi? Go to AT-ST. Bah, ça doit être le AT-ST qui est cassé là-bas. Alors, il y a peut-être... ouais. On va retourner là-bas. Il doit y avoir un code ou quelque chose qui traîne. Ils nous font faire des petits allers-retours. Alors, la zone, elle est plutôt grande. Je pense pas qu'il y ait des secrets. Ah, là-bas, il y a peut-être des munitions. J'allais dire, je pense pas que le gars, c'est... Mais quoique, hein, quoique, c'est des petits jeux comme ça. Hein. Bah, franchement, il est plutôt pas mal. Ah, putain, il range son flingue à chaque fois qu'on interagit. Alors, j'ai même pas vu... Ouais, on ramasse des balles. On ramasse un chargeur complet, je crois. Hein. Bon, 80 munitions. Oh, il y a un petit Ewok. Ah non, je crois... Non, je me suis planté. Putain, je sais pas pourquoi je croyais...
En fait, c'était ses genoux. Je croyais que c'était les petites pattes d'un Ewok en l'air. Comme ça, je me suis dit, merde, il y a un Ewok qui s'est fait buter. En fait, pas du tout. Alors, le AT-ST. Où pourrait être le code? Où pourrait être le code? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Bon, là, on se cogne dans le moindre truc. Bon. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Ah, voilà. Ouais, ok. Bon, ok. Bon, ça, c'est un peu con. Ça nous fait faire un aller-retour. C'est un petit peu couillon. J'aurais dû observer le attesté de plus près avant. Donc là, on va rentrer. Alors, des fois, il y a des reflets. Franchement, ah merde, on se coince dans le moindre truc, mais faut pas oublier quand même que c'est un mec tout seul qui a fait ça. Voilà, c'est t'as des gros studios, ils arrivent même pas à te sortir un truc potable, et puis t'as des mecs tout seuls, ils arrivent à faire des trucs dans le genre. Donc moi je dis quand même gros respect. Hein. Allez, on va rentrer. Oula, ouais, comme je vous disais, à l'intérieur, non, à l'intérieur ça a pas l'air mieux. Hein. Alors, je sais pas si ça va continuer ou si on va se faire zigouiller, on va voir ça. Ah non, c'est pas fini. Hein. Oula. Ils font des drôles de bruit, hein. Zombie qui joue au con, vous avez vu, il se balade, il fait le malin, il arrive dans le dos, attention. Bon, notre gars, il est un peu con quand même. Merde, j'ai plus mon flingue. Ah putain, est-ce que ça veut dire qu'on a perdu notre arme? Aïe, 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 aïe. Ouais. Putain, c'est bien fait, hein. Ah, là, il nous parle du Star Destroyer qui a été trouvé avec, voilà, pareil, avec un virus qui a tout détruit. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? En fait, ils crèvent et puis ils redeviennent zombies, quoi. Ça, voilà, on a compris. Classique de la vanne de... Alors là, les effets de lumière, ils sont vraiment, vraiment sympathiques. Hein. Franchement, ils sont vraiment bien. Alors là, par contre, faut que je fasse gaffe parce que je dois tout le temps utiliser le clavier pour interagir. Oh, il y a un zombie. Putain. Et comment je vais faire? Alors, est-ce que ça marche, le coup de pied, là? Ouah, laisse tomber. Oh là là. Alors, on va essayer de le feinter. Oh, le combat d'infirme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il avait, là? Voilà. Putain, enculé, il a failli me tuer. Il rigole, en plus. Mais putain. Mais c'est une... Qu'est-ce qu'il faut faire, là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a rien, en fait. Ah, si, merde. Interagis! Ah putain, il arrive dans mon dos! Mais non, j'y crois pas! Ah ok. En fait, il y avait un checkpoint. Ouh, putain, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ah. On a une mitraillette. On a un blaster. Ça, c'est pas mal, hein. Même quand comme il sort le gun, c'est plutôt... Ah, il y a de nouveau ça. C'est plutôt pas mal. Hein. Oh putain. Ah, faut que j'essaye de pas trop gaspiller.
Alors vous voyez, même défaut que dans l'autre, hein. Dès qu'on est proche d'un mur, la caméra, on ne voit absolument plus rien. Merde. Oh putain. Ah, faut que je sorte le... Putain, c'est la merde là. Ils arrivent de partout quoi là. Pourquoi ils rigolent comme ça les zombies, c'est un peu débile ça. Ah putain, mais vu que je suis pas sur la... Mais il faut voir l'installation là, je suis en même temps sur le clavier et sur la manette, c'est improbable. En plus j'ai inversé pour viser, pour tirer sur les gâchettes, donc j'ai fait... En gros j'ai préparé n'importe comment. Hein. Donc là on peut pas interagir. Là on peut, et là est-ce qu'on peut? Ok, on peut pas, donc il y a qu'une seule porte. Allez. Allez. Ah putain. Il reprend pas automatiquement le gun. Hein. Faire super gaffe. Hein. Ouais, donc là il y a ce mec qui s'est bien fait écraser. Ah oui, c'est le coup de la vanne. On connaît. Allez, c'est reparti. Putain, c'est vraiment pas mal. C'est là la deuxième partie, elle est plus. Elle est un peu plus longue. Elle est vraiment pas mal. Et là, j'aime beaucoup les effets de lumière dus à la sirène, là. Et c'est bizarre. L'autre, les râles, on dirait qu'ils viennent du mur, là. Oh, putain. Oh. Comme il a volé. On va recharger. Comme il a volé, le mec. Bah, lui, il va se réveiller, non? Non. J'ai cru qu'il allait se réveiller, ce fumier. Je me suis dit, il nous a mis un petit piège. Il s'est dit, ouais, ils vont être... ils vont se dire, c'est bon. Voilà, il y en a d'autres qui vont arriver. Le bruit, il est assez... les bruits qu'on entend, ils sont assez inquiétants. Bon, globalement, niveau munitions, on a ce qu'il faut, hein. Là, la porte, elle est fermée. Putain. En fait, ils sont enfermés dans la salle, je pense. C'est pour ça qu'on les entend râler. Je pense qu'ils sont enfermés dans la salle. Alors, je fais gaffe. Hein. Putain, c'est chaud, là, à chaque fois de sortir. Oh. Ah, c'est bon. Oh, putain, lui, j'ai mis une bonne rafale dans la gueule. Il nous emmerdera plus, celui-là. Là, c'est fou, là. Vous devriez voir avec le clavier. Le clavier et la manette. Il n'y a rien qui va. Allez, on dégaine. Ouais, mais... Ah, du coup, c'est ça. On va remettre le courant un petit peu dans cette base, là. Ah, voilà. Bah ouais, good job. Voilà, je suis un bon Stormtrooper, moi. Ah, et du coup, on va pouvoir aller là. On va pouvoir aller là, mais est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller? Parce qu'a priori, ça pue la merde. Oh putain, ah ouais, d'accord. Oh merde. Oh, c'est chaud là. Ouah, mais attends, là. Alors là, ça c'est de la merde. Et comment tu veux faire? Les mecs sont devant la porte. Et putain. Ok. Bon, j'ai eu un petit moment de panique. Petit moment de panique. Ouais, donc là, on peut aller en face, c'est ça. Ah, regarde, hein, parce que putain, à chaque fois, il range son gun. Hein. Ah. Oh, une balle dans la tête. On lui a bien fumé sa race. Bon, c'est pas mal. Hein. Franchement, j'aime bien. Le mec qui pourrait faire un jeu entier, moi j'y jouerais, hein, franchement. Alors, est-ce que c'est l'ordinateur? Ok, il y a des interférences.
mobs of what have been described as bloody corpses have been seen marching throughout downtown. Reports of walking dead are coming in from around the tri-state area. Énorme. Stay in your homes and lock your doors. Do not trust anybody. Folks, please bring whatever supplies you can. We are in dire need of food, water, clothing, batteries. Voilà, faites des réserves, enfermez-vous chez vous. During these trying times. Evacuation efforts to the city of the living are well underway. We have a situation here at the Jared Smith Theater. Place. Anyone coming here should be extremely. Angela. Ok, bah l'enregistrement il est pas mal là. Donc a priori il y a un virus qui s'est répandu carrément dans toute la galaxie quoi. Allez, on va espérer qu'on va pouvoir s'enfuir. Alors là on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus complet hein. On est quand même sur quelque chose... Oh putain, vite, vite. Ah, ils auraient pu nous le laisser, hein, avec toutes les munitions. Oh putain de merde. Ouais. Ah putain, bah attends. Non ! On est un peu dans la merde, là. Hein. Mais je suis surtout dans la merde à cause que ce que j'ai branlé avec la maniabilité là. Allez, allez, ramasse. Oh putain, la musique elle est énorme avec le petit ouh. J'arrête pas de me tromper, mais vous, c'est, j'ai inversé les gâchettes, faut être con. Oh là j'ai fait Sniperman. Oh. Bon, la visée, elle est très très souple à la manette. Alors bien sûr, je suis sur la manette Xbox, mais j'ai mis, j'émule en fait la souris. Donc bon, ça donne toujours une visée souple, voire un peu trop souple. Putain, mais alors là, avec la musique, c'est vraiment cool. Hein. Avec la musique genre extraterrestre comme ça, là. Ramasser les munitions. Alors faut aller où? Parce que là du coup c'est tout buté, c'est con. Ah ouais, là la musique elle est mortelle. Bah a priori je les ai tous butés. Faut aller où? Fallait ressortir ou quoi? Ah ouais, fallait juste tous les buter je pense. Oula. Qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Et merde! Alors on est mort ou... Aïe aïe aïe, je crois qu'on s'est fait avoir. Ah purée! C'est terrible ça, ça fait deux jeux de suite, on se fait buter en fait. Ah non, à mon avis, les signes vitaux, c'est mort. C'est énorme, même le robot veut s'en sortir. Le robot qui te supplie de pas l'abandonner. Non, je crois qu'il n'y a plus personne. Bah voilà. Encore un très bon petit jeu. Alors bonjour à tous, c'est Quiche. Aujourd'hui on se retrouve, bah, comme vous pouvez le voir, en pleine guerre des clones. Alors ça commence direct, hein. On n'a pas le temps de se remettre les balances en place. On se retrouve en pleine bataille de la guerre des clones, non, en pleine bataille de Geonosis. Hein. Finalement c'est la première... voilà.
Alors on recommence en espérant que cette fois-ci ça va pas cracher de ouf. Alors c'est vraiment saisissant. C'est ultra saisissant même. On est sur Geonosis, comme je disais, on est en pleine guerre des clones. La guerre des clones démarre d'ailleurs avec cette bataille hein, dans Star Wars. Alors j'espère que cette fois-ci, ça va pas cracher. Bah si. Bon ben, fatal error, hein. Je crois qu'on va laisser tomber. Mais en tout cas, le peu que vous avez vu comme ça a l'air cool. Hein. Dike Knight, bio quoi d'accord. D'ailleurs, énorme, comme c'est écrit Star Wars. Bioweapon, ouais. Voilà, Bioweapon Project. Alors, ça peut penser... Alors, je sais pas s'il y a un putain de... Ah ouais, d'accord. Je sais pas ce que c'est que ce bug. Donc, une infection, voilà. Donc, certainement, les zombies qu'on avait vus... Alors, ce jeu est antérieur à Death Trooper. Hein. Death Trooper. C'est le petit jeu qu'il avait fait juste avant. Voilà, la musique est vraiment classe. Hein. Biological Weapon Division, c'est énorme. Alors, on va voir ce qu'il en retourne. On va voir ce que ça donne. Audacer, Faustine. Je sais pas si c'est des planètes qui sont connues de l'univers étendu Star Wars, quoi. Alors là, les graphismes ont l'air d'être en mode PS1, je crois. Hein, PS2 maximum. Ah oui, oui, c'est des graphismes en mode rétro. Alors ça, je m'y attendais pas. En tout cas, ça, c'est cool. Bah, en fait, ça reprend un peu Death Trooper, là, si on regarde bien. Le Star Destroyer avec tous les zombies partout. En fait, c'est une espèce de préquel. Ah putain, c'est énorme. En mode PS1, quoi. Énorme. Imperial Bioweapon. Ah putain, c'est excellent. Alors du coup, je pense qu'on va jouer avec un Jedi ce coup-ci. Ah voilà, un X-Wing. Alors c'est pareil, il y a quelques jeux faits de façon totalement rétro hein, aussi sur la chaîne. Il y a notamment un D-Mec de Demon's Souls. Alors ça, je vous le testerai aussi. On testera d'autres jeux. Là, je m'étais cantonné un petit peu à Star Wars. Oh putain, ça a l'air énorme. Oh putain, ça a l'air énorme ça. Alors il saute. Oh, on peut dégainer le sabre. On se protège. Oh putain, ça a l'air excellent. On peut utiliser la force. Hey, can you hear me? You should be close to the old academy. Alors on va voir. On est proche de la vieille académie. Putain, les mecs. Il y a quand même des gars. We have tracked his star destroyer. Ok, Kylo Ren. Donc ça, on prend sur le Star Wars. On va dire qu'on prend. Ah ouais, excellent. Ah ouais, excellent. Ça fait les traces sur les murs. Putain, c'est cool. Plutôt cool, hein. Use the force to open the door. Ok. Ouais, bah, il y avait une porte, justement. Ça va être ça. Ouais. Ouais, ok. On va continuer. Ah, c'est vraiment pas mal ça. Hein. Oh putain, alors attention, il y a des cadavres. J'aime bien aussi l'espèce de grain, genre vieille cassette. Alors, on peut bouger des choses grâce à la force. Ok. Ouais, bah ça, quoi. En mode Tomb Raider. Ok. Ah, on peut carrément le... Ok, on peut le maintenir comme ça, en l'air, voilà, en restant appuyé, et puis on le pose. Ok.
Donc il y a de la physique, c'est plutôt marrant. Ouais non, je veux rien casser. C'est pas mal de pouvoir prendre et rengainer notre sabre aussi, notre sabre laser. Ouais, donc on va prendre les blocs. Ok. Oh merde. Alors là, niveau plateforme, on est un peu, on a un personnage qui est un petit peu glissant comme ça. Ouais. Il fait aussi d'autres, de drôles de bruits là quand il cavale là, tac tac tac. Merde. Alors, est-ce que je peux sauter? Non. Alors est-ce qu'il y aurait pas un autre bloc? Non, ceux-là on peut pas les prendre. On va recommencer. Ouais. Bon, ça par contre, niveau maniabilité, forcément c'est pas ouf. Mais après, c'est un petit peu de ma faute parce que je l'ai pas mis. Franchement, je l'ai vraiment pas mis sur le bon bouton. Allez. Ah putain, du coup, on chope le. Allez, fais pas chier. Voilà. Ok. Aïe, aïe, non! Oh putain, mais attendez, c'est un truc à la con, ça. Le cube qui va dans tous les... Mais qu'est-ce que c'est? Le cube qui va dans tous les sens. J'espère que c'est ça, parce que en plus, ça se trouve, je me trompe complètement. Voilà, on va le poser calmement. Pareil, hein, notre personnage est très flottant. Ah, nique ta mère, c'est même pas ça. Et ça? Ça se trouve, on peut le casser. Non. On peut péter une poutre? Non. Oh là là, c'est une énigme à la con ou quoi? Non, mais je pense que c'est ça. Voilà, on le met là, on saute. On saute là et après faut sauter là, c'est tout. Ah putain, on va pas rester bloqué là quand même. Allez. Mais putain. Oh là là. Ouais d'accord. Mais. On dirait que je suis un débile là. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas à choper ce truc de merde. Putain, mais il n'y a qu'un seul cas, un seul cube. Alors, si ça se trouve, hein, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Mais je pense que c'est ça. Hein. Voilà. Je t'en supplie, réussis ton saut. Ah, voilà. Alors, effectivement, là, il y avait vraiment un feeling Tomb Raider ou jeu PS1 à l'ancienne. Avec les sauts qui nous emmerdaient au poil de cul. Là. Putain, j'ai cru que j'allais pas y arriver. J'ai cru qu'on allait arrêter là le jeu. Hein. Alors là, on pose les portes. Ah oui, c'est l'autre bouton, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce temple Jedi? Ben, on va tomber sur des zombies, j'imagine. Ouais. Oh putain, trop fort. Excellent. Donc là, on voit le sieur Kylo Ren. Voilà. Faire des références à la trilogie qui vient d'arriver. La dernière trilogie Star Wars, c'est pas, je sais pas, c'était une bonne idée. Même si là, le culte, il a l'air bien angoissant, bien pourrax. Ça, c'est pas mal. Avec son sabre, genre de chevalier, là. Oh! Bon ben voilà, les morts reviennent à la vie. Putain, la musique elle est vraiment pas mal. Hein. Franchement, le mec, il a fait du bon boulot. Hein. Là, heureusement, il y a notre Jedi qui est là. Oh non! Evidently, Ren has his followers with him. Those crazy people have followed the dark side of the Force, but they don't know what they're up against.
Putain, mais par contre, le coup des caisses, là, franchement, ça fait grave chier, hein. Va faire un double saut. Oh non, putain de merde. Je suis sûr que c'est un saut au poil de Zboob. La caisse qui va dans tous les sens, putain. Ah, putain, à tous les coups, c'est un saut qui... C'est un saut qu'il faut faire au poil de Zgeg. Mais attrape-le, putain de merde. Ah. Alors, la physique, c'est sympa, mais putain... Mais en fait, c'est tellement flottant. On va essayer de le mettre là. Bon, là, on devrait y arriver, non? Ah, yeah, je le sens pas. Hein. Ah, ouais, c'est bon. J'ai réussi. Attention, il y a un zombie. Oh, on l'a coupé en deux, trop fort. Ah, les effets de lumière sont carrément stylés. Hein. Je tiens à le dire. Alors je pense qu'on se protège comme ça. Putain, c'est assez fun. Hein. Voilà, on se protège. Hop, dans le dos. Oh non, il y a de nouveau le... Ouais, franchement, le délire là avec la physique, j'aime pas trop. Ça par contre, ça me fait chier. Où c'est qu'il faut aller? C'est un peu labyrinthique. Ah, il y a un autre zombie que j'ai pas vu, quoi. Il fait des bruits de petits pas, comme ça, comme s'il faisait des... Mais putain! Ouais, il y a des bugs, hein. Bah, en fait, tu me diras, c'est aussi un jeu fait par un seul mec, à un moment donné. Faut aussi, évidemment, un minimum d'indulgence, mais bon. Allez! Non! Je l'ai chopé, je suis tombé. Putain, je l'ai attrapé, je suis tombé comme une merde. Ah ben voilà. Là, j'ai géré. Il fait le bruit de ses... Mais non! Il fait des bruits de petits pas comme ça. C'est assez... je sais pas, c'est assez couillon. Bon là, ils se sont éclatés avec leur cube. Hein. Là, ça lui a fait plaisir de mettre de la physique. Bon. Je trouve ça assez pénible en fait. C'est un petit peu la fausse bonne idée. Voilà, on va mettre le cube là. Voilà. Ah putain, il rebondit. Hein. Allez. Ouais, là c'est bon. Bon, il y a un côté amusant. Mais c'est moi. Mais en fait, c'est aussi ma faute parce que j'ai configuré le... Sans le savoir, hein, parce que je pouvais pas savoir quel bouton allait être utilisé. Hein. Le bouton, je l'ai sur le stick analogique. Donc forcément, en même temps, je bouge quand j'appuie. Enfin, c'est n'importe quoi. J'adore le bruit qui fait tic 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 tic. C'est un délire. Hein. Bon, j'espère qu'il va y avoir plus de combats, là. Bah pareil, c'est un petit jeu qui dure quand même, hein, mine de rien. J'aime beaucoup l'aspect PS. Oh putain, ah ouais, carrément. Ah, direct. Voilà, là, je suis pas sûr que je vais m'en sortir. Hein. Ok. Bah, j'espère qu'il est faible, hein, parce que du coup... Ah ouais, je vais fumer sa race. Ah, c'est un chevalier de Ren. Ok, c'était pas Kylo Ren lui-même. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est les bugs ou quoi? Mais je vais fumer sa race en deux secondes, quoi. Ça s'arrête comme ça. On peut pas faire de double saut. La grosse roulade, là. Oh, putain. J'ai quasiment pas vu... Je l'ai quasiment pas vu, celui-là. Alors là, il y avait un petit bug. Je pouvais plus attaquer. Alors, on voit pas du tout notre barre de vie, d'ailleurs, hein. On voit pas du tout ce qu'il en est au niveau de la barre de vie. Bah en fait, on les touche avec notre sabre, on les découpe, quoi. Là, j'ai même pas besoin, en fait, d'attaquer. Je les traverse, les zombies, avec mon sabre. Ah, putain. Ah, y en a une chier, hein. Voilà. Voilà, on fait des moulinets, tranquille.
Moi, c'est marrant. Je sais pas si on a une vraie barre de vie, si on peut crever en fait. Parce que là, depuis le début, j'ai pas l'impression. Putain, mais c'est énorme. En fait, on peut simplement passer notre sable dans leur corps et ils crèvent. Comme des merdes. Oh non, oh non. Oh non, ne me dites pas qu'il y a un cube à la con quelque part. Ouais. Ah bah si. Le fameux cube. Voilà, il est là. Il est de retour. Et il nous emmerde. Ah putain, franchement, allez. Putain, comme il fait chier, franchement. Eh mais ça, ça par contre, c'est une idée de merde. Allez. Alors la caméra, bon après, bon, faut avoir de l'indulgence. Ça reste un jeu assez fun, hein, mine de rien, et fait par une seule... Mais putain, et fait par une seule personne, donc... Mais là, ça commence à me lourder. Allez. Allez, viens. Mais viens là, putain. Alors, on va essayer... Oh putain, mais la partie plateforme, fou! Ah putain, mais il me faut le carré en plus. Je vois rien. Mais comment tu qui tiennes là? C'est impossible. Mais comment tu voulais qu'il tienne le cube là? En plus, je suis comme poussé, je sais pas comment dire. Ah ouais, mais il me le faut. Oh là 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 là, ouais, en fait, faut monter là, quoi. En fait, faut monter ici, faut mettre le cube, allez, vas-y. Oh, mais ça, ça coupe le... Ah ouais, mais un jeu... par contre, un jeu entier comme ça, alors là, je dis non. Si tout le jeu, c'est ça, ah non. Alors là, c'était non. Mais t'es obligé... Oh putain, mais comme il faut y aller mollo. Bon, on va se calmer. Il faut quand même rappeler que c'est totalement gratuit. D'ailleurs, je vous laisserai les liens si vous avez envie de tester. Si vous avez envie de vous énerver, voilà. Après, c'est aussi ma faute, hein. J'aurais dû faire... Soit j'aurais dû jouer au clavier. Oh putain, mais là, le décor, il est quand même pas mal. Hein. Puis moi, j'adore les graphismes rétro comme ça. T'as un putain de charme. Franchement, il n'y a pas à chier. Voilà, on les découpe. J'ai l'impression qu'on les bute plus vite, au final, que si on utilisait ouais, les moulinets, genre. Ah, putain. Allez, crève. Alors là-bas, il y a les attestés aussi. Complètement endormi, là, les omblards. Oh, qu'est-ce qu'il a? Ah, c'était une cinématique. Ah ouais, j'étais en train de me dire, putain. Oh merde. Oh merde. Alors, on va se faire attaquer, là. Voilà, c'est chaud, hein. Alors, je sais pas, en fait, si je renvoie les coups, si... Alors, est-ce que je peux l'attaquer? Je pense qu'il faut lui péter les jambes. Alors là, c'est un peu du combat d'autiste. Allez! Allez, bourrine-moi ça! Oh, je l'ai pété! Oh, je l'ai détruit. Alors, est-ce que les autres vont se réveiller, je pense? Ouais, bah voilà. Ça, c'est plutôt bien fait, hein. Franchement, c'est pas dégueulasse. Hein. Allez, hop. Quoi? Putain, tu nous emmerdes. Oh, merde. Bah, on a bien une barre de vie. Hein. Mais c'est vrai qu'en fait, on voit pas du tout. Donc, on sait pas du tout, en fait. On sait pas du tout. On se fait toucher, pas toucher. On n'en sait rien, en fait. Allez, mais crève.
On sait même pas comment se remettre finalement de la vie, hein, au final. On va le laisser s'approcher. Voilà. On va lui refaire des moulinets dans tous les sens en espérant que ça passe. Ah non, ça passe pas. Ouais, mais attends, là, le problème, c'est qu'on voit pas la barre de vie, on sait pas ce qu'on peut faire. C'est un peu de la merde, hein. Franchement, là, je sais pas, en fait, si je me protège, si je me protège pas. Si j'en prends plein la gueule ou pas. En fait, on sait pas ce qu'on fait, là. Là, on comprend pas ce qu'on fait, c'est n'importe quoi. Putain, il y a l'autre, là. Ouais, on sait pas ce qu'on fait, en fait. Allez, saute. Mais ouais, mais c'est impossible. Infernal. Putain, je l'avais battu. Infernal machine, attention. Oh, mais merde. Putain, et franchement, c'est trop mal fait. Hein. En fait, faut en buter que deux, donc ça devrait passer. Normalement, ça passe, mais bon... Ah oh, putain. Si ça passe, c'est le hasard total. Oh, hasard total. Alors là, franchement... Ok, c'est passé, mais c'est le hasard complet. Alors, est-ce qu'il faut aller par là, vu qu'elle venait de par là? Je sais pas. Non, même pas. Je sais pas. Faut aller où du coup? Ouais. Est-ce qu'il y avait... Ah mais c'est peut-être là. Ouais voilà, faut ouvrir la porte je pense. On peut l'ouvrir? Non. Ouais. Est-ce qu'on est... J'ouvre l'épée et je le bute en la fermant, c'est énorme. Bon, le jeu, il pourrait être carrément sympathique. Le jeu en lui-même, avec une meilleure maniabilité, évidemment, avec... voilà. Putain, mais c'est, franchement, c'est, ça pourrait être vraiment du bon, en fait. Hein. Il faut aller par là, je pense. Ouais. En plus, ça dure quand même, hein, mine de rien. On joue depuis une bonne demi-heure, je pense. Oula. We should be there by now. Putain. Red is here somewhere. I can detect him. Mais en fait, on sait pas ce qu'on fait, quoi. C'est ça, le problème. Ah, mais nique ta mère. Mais en fait, on voit pas notre barre de vie et on comprend pas ce qu'on fait. Donc, c'est quand même deux choses. C'est quand même deux choses qui sont évidemment problématiques, quoi. Mais nique ta mère, putain de ta mère. J'ai envie de voir la suite, mais ça me gave, là. Mais on sait pas, en fait, c'est... Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut utiliser quelle manette? Est-ce que la vie remonte, remonte pas? On n'en sait rien, en fait. Ouais, ok. Oh, je l'ai niqué. Oh, bien joué, je l'ai niqué. Par contre, la musique reste très très cool. Les thèmes musicaux, ils sont vraiment bons. Alors du coup, faut que j'aille où? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah, j'avais pas vu. Ah mais vraiment, il avance le bonhomme. Je me répète, mais c'est vrai que comme on n'entend que ça... Putain, mais c'est plutôt long. Hein. Ouais, il y en a un autre là-haut, de chevalier de reine, là. Je pense, ça doit être comme dans l'autre jeu, notre vie. En fait, on a une barre de vie et puis ça remonte, et voilà. Parce que sinon, je comprends pas comment c'est fait. Ah, quoique, il m'a tué celui-là.
Oh non, faut tout refaire, tu sais quoi. Commence à me faire chier. Et putain, c'est grave impossible. Mais Nick! Oh là là, mais tu sais, vous savez quoi, ça m'emmerde, hein. Moi j'essaye encore une fois, puis ils vont se faire foutre, hein. Enfin, vous pouvez toujours essayer. Mais c'est merdique, c'est... Ou alors vraiment, je piche pas, c'est trop... c'est totalement imprécis. C'est pas ce qu'on branle. D'ailleurs, ça me rappelle mes crises de rage. Ça me rappelle mes crises de rage sur Jedi Knight et Jedi Academy, quand il y avait les combats Jedi, là. Oh putain, comment ça m'énervait. Le jeu, il avait le don de me crisper. Parce que autant, parfois tu pouvais penser que c'était bien fait, autant parfois, t'avais l'impression que le jeu, tu faisais n'importe quoi, ça passe, tu fais n'importe quoi, ça passe pas. Je ne comprenais pas en fait les combats du jeu et ça me gonflait, mais alors à mort. Voilà. Voilà. En fait, on a même pas besoin de bouger, suffit de... Putain, il m'a touché le petit enfoiré, hein. Je sais pas si vous avez vu. Il m'a touché avec le blaster. Tiens, hein, connard. Attention. Ah! On va essayer de les buter quand même. C'est dommage qu'on peut pas envoyer notre sabre, a priori, hein. Ah, bah ça nous avait manqué. Le sacro-saint caillou, là, qu'il faut se balader avec. Voilà. Et voilà, je crois qu'on a buté tout le monde. Hop. Non. Putain, il en reste. On va emmener ça chez l'autre furieux. Ah, je sens qu'il va nous buter. Je sens qu'il va me tuer et je sens que ça va m'énerver. Et j'espère qu'il y a un checkpoint quand t'es devant lui, hein. Parce que putain, s'il faut tout refaire à chaque fois, alors là, c'est sans moi. Non, allez. Oh, putain de merde. Bon, après, je peste, je râle, mais ça reste du très très bon. Attention. C'est, encore une fois, un jeu complètement amateur, fait par un mec tout seul. Donc, gros... Mais oh, putain. Oh là 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 là. Mais la physique, elle est cool, mais... Elle est cool, mais pas cool en même temps. Arrête de bouger. Et l'autre, là. Regarde-moi celui-là. Regarde-moi celui-là. Sachant qu'il va me mettre une déculottée du siècle. Oh, il s'excite et tout. Voilà. Dites-moi que je suis mort. Ah non. Ah, cinématique style. Ok. Oh là là, il m'a fumé ma race. Ah, mais c'est peut-être la fin du jeu. Genre, ils m'ont buté, ouais. Bah, c'est vrai que vous avez vu que systématiquement, on se fait buter, hein. Ah, à mon avis, c'était la fin de Bioweapon. Ah bah ça, c'est pas mal. Et l'autre, il a une armée de zombies, quoi. Bah écoutez, voilà. On va s'arrêter là. Donc je voulais vous présenter ça. On testera certainement les autres jeux de ce gars. Il y a aussi des jeux purement d'horreur, horreur. Il y a The Tape 1 et 2, donc ça je vais tester aussi. Il y a aussi le truc dans le métro. Il y a aussi des jeux Jurassic Park. Enfin bref, il a fait tout un tas de jeux. Bah écoutez, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis, bah écoutez, à plus pour de prochaines vidéos.